Emmanuel Lemi, Dred Choudli, ainsi connu, c'est non jeune garçon ça, qui vient sous tête 38 ans, qui joue une libération provisoire deux jours après que la police dans Long Island, New York, te mette en bas code, ensemble avec 16 autres acolytes, pour faire trafic de cocaïne et héroïne, dans la date 4 octobre qui s'est passé à là. Dred Choudli était obligé de payer 10% de une amende de 50 000 $ américains que la police te mette sous tête li, et la justice américaine accusait de association de malfaiteurs, comme qui dirait, il t'a participé dans aider vendre drogue dans le pays États-Unis. Il gagne pour faire face à accusation ça devant tribunal dans la cour New York. Pendant ce temps, Dred Choudli vient très populaire sur tous les réseaux sociaux yo, grâce à une série de vidéos qu'elle t'a fait côté que l'a montré qui gens la vivent et bien côté que l'a bien mené avec un pile d'argent, cash money, bel rad chèque, gros mac avec un pile belle machine. Dans vidéo ça que Dred Choudli fait de propre tête pali, et bien ces slogans nous pas égarer, mettez grand monde sur qui vient prendre une gros extension à travers le monde sur tous les réseaux sociaux yo, côté que un pile monde a charrié, imité et passé dread là dans bêtise. Eh bien, je veux dire, on a annoncé que Téléimage pourrait prendre la rue dans Long Island pour nous réaliser des interviews, des reportages et mener enquête sous causée arrestation de Dred Choudli. On a essayé de comprendre tout phénomène, nous pas égarer ça. On a rencontré avec un avocat spécialiste dans affaire la loi sous acte criminel. On a rencontré tout avec des amis proches de Dred Choudli, messieurs qui tapent hang out avec Dred Choudli. On a essayé de comprendre pour qui ça Dred Choudli te fait vidéo ça. Qui genre vidéo fait prendre la rue et qui genre arrestation Dred Choudli a pas affecté famille, amis et lui-même personnellement. On a regardé tout pour nous si nous t'as capable de réaliser une interview avec Dred Choudli lui-même, si ça t'a possible. N'a fait connaître que Dred Choudli, Emmanuel Limite, marié, il y a trois Timoun Piti, Timoun en bas âge, madame li enceinte, dans le moment que n'a parlé là. Il semblerait tout que l'hypoco ait statut légal aux États-Unis, d'après ça n'apprenne. De toute façon, nous-mêmes, notre image, c'est comme ça nous fait, c'est comme ça nous bâillons une nouvelle sérieux, professionnel, parce que nous-mêmes, nous respectons tête nous pas vendre drogue, parce que nous-mêmes, nous pas égarés. Valérie Saint-Louis, pour Téléimage.